Vraiment, je vis en de sombres temps, un langage sans malice et signe de sottise, un front lisse d'insensibilité. Celui qui rit n'a pas encore reçu la terrible nouvelle. Que sont donc ces temps où parler des arbres est presque un crime, puisque c'est faire silence sur tant de forfaits? Celui qui là-bas traverse tranquillement la rue n'est-il donc plus accessible à ses amis qui sont dans la détresse? C'est vrai, je gagne encore de quoi vivre. Mais croyez-moi, c'est pur hasard. Manger à ma faim, rien de ce que je fais ne m'en donne le droit. Par hasard, je suis épargné, que ma chance me quitte et je suis perdu. On me dit « mange-toi et bois, sois heureux d'avoir ce que tu as ». Mais comment puis-je manger et boire alors que j'enlève ce que je mange à l'affamé, que mon verre d'eau manque à celui qui meurt de soif, et pourtant je mange et je bois? J'aimerais aussi être un sage. Dans les livres anciens, il est dit ce qu'est la sagesse, se tenir à l'écart des querelles du monde et sans crainte passer son peu de temps sur terre, aller son chemin sans violence, rendre le bien pour le mal, ne pas satisfaire ses désirs mais les oublier, être aussi tenu pour sage. Tout cela m'est impossible. Vraiment, je vis en de sombres temps.